Moi ça va nickel. Alors les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous présenter le nouveau camouflage diamant sous les mitraillettes, voilà. Donc la plupart des gens l'ont débloqué sur les fusils d'assaut. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup j'ai lancé contre les bots pour vous montrer, parce que le camouflage change de couleur à chaque kill en fait. Enfin à chaque kill, tous les 5 kills il change de couleur. Du coup on va regarder les couleurs que ça fait. Du coup, ouais voilà, ce que je voulais dire c'est que la plupart des gens ont débloqué le camouflage diamant sous les fusils d'assaut. Moi je les ai débloqués sous les mitraillettes en premier. Donc, parce que voilà, moi je suis plus joueur mitraillette, on va dire. Donc j'ai mis les boots en recrue, ça devrait être assez facile de les buter. Ouais, ça va aller vite. Par contre, si je meurs, je vais avoir le seum, hein, je vous le dis. Ça va être long un peu. Hop. Donc au pire, les gars, je pense que je vais vous mettre une avance accélérée, comme ça je vous reprends dès que le camouflage change de couleur. Logiquement, il va être violet en. Tac, bah voilà, vous voyez, il est violet en fait. Donc là, il va passer de violet. Là, quand on lance une lumière, il est violet en gros. Donc, les gars, comme vous pouvez voir là maintenant, quand on arrive en sans pitié, il est de la couleur vert. Donc, franchement, je l'aime bien cette couleur là. Je trouve qu'il est beau gosse. Il est vachement beau de cette couleur. J'aime bien. Donc, c'est un vert fluo, on va pas se mentir. Ça change pas trop la couleur du camo or, il ressort toujours autant qu'avec la couleur violette. Donc, simplement, je vais monter au camo d'après. Je vais monter au camo d'après. Je crois que le camo. Par contre, je sais plus du tout. Voilà, le bleu, voilà, voilà, il est bleu. Donc, franchement, le bleu là, je le trouve vraiment beau. Je l'avais déjà eu en multi la dernière fois. Je l'aime bien, je trouve vraiment beau. Le prochain, je crois qu'il est couleur lave, un truc comme ça. Donc, la couleur d'après, les gars, comme je vous ai dit, c'était couleur lave un peu. Donc comme vous pouvez voir là, c'est un peu couleur lave, je trouve. Moi personnellement je dirais que c'est de la couleur lave ou un genre d'orange vraiment très clair. Alors donc là il devient, oh il est vraiment beau là. Là il est vraiment beau gosse. Et ensuite le dernier pour la nucléaire. Normalement je suis en brutal à peu près. Je ne dis pas de bêtises. Encore un, et je l'ai. Non, 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 non. Pourquoi il est devenu rouge comme ça? Donc là, il est tout rouge, ok. C'est couleur arc-en-ciel quand on a la nucléaire. Ah, le v'là, voilà. Couleur arc-en-ciel, les gars. Donc, franchement, celui-là, vraiment stylé, hein. Y a rien à dire là-dessus. Franchement, très très beau comme camouflage. Cible. Il est vraiment beau hein. Putain, quand même, qu'est-ce que j'aimerais bien tomber contre des joueurs comme ça en multi. Bon, voilà, donc les gars, c'était Vazanelli. Moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine les gars.